que vous avez envie de manger aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'ai envie de manger du gondré. Un gondré avec la chèvre. Voilà. Ça, c'est l'envie que j'ai aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous propose donc aujourd'hui une recette de gondré chèvre. Je ne parle pas beaucoup. Je vous montre donc les ingrédients qu'on aura besoin pour réaliser notre gondré. Et je vais vous montrer ça en trois étapes. Voilà. Donc, dans la première étape, je vais vous montrer les condiments qu'on aura besoin. Dans la deuxième étape et dans la troisième étape. Voilà. Donc, je vous montre donc tout et on commence avec la recette. Comme je vous ai annoncé dans mon introduction, on va faire du gondré avec la viande de la chèvre. Et pour cela, donc, on aura besoin du plantain parce que le gondré n'existe pas s'il n'y a pas le plantain. Donc là, c'est du plantain non mûr. J'ai pris 11 doigts de plantain non mûr. Donc, les doigts étaient un peu comme ceci. Voilà. Donc, j'ai pris 11 doigts. Et là, c'est de l'oignon rouge. Vous pouvez faire avec le blanc comme vous voulez. J'ai pris 2 oignons et rouges que j'ai découpés là. Et ici, j'ai du thym frais que je vais aussi utiliser. Et là, c'est du romarin, une branche, ainsi. J'aurai besoin de 2 piments jaunes. Vous pouvez faire avec du piment rouge, comme vous voulez. J'aurai besoin de l'huile rouge. J'aurai besoin du sel. Là, ce sont des feuilles de laurier qui sortent du congélateur. La raison de cette couleur-là, c'était des feuilles fraîches. Donc là, j'ai 6 feuilles de laurier. Et ici, j'ai 2 branches de feuilles de ginger. Donc, je vais vous montrer par étape, je vais dire. Donc, ça, c'est la première étape, ce que j'aurai besoin pour la première étape. Je vais donc mettre tout ceci dans une casserole que j'ai mis au feu avec un peu d'eau qui est déjà en train de bouillir. Et je vais laisser bien cuire jusqu'à ce que le plantain cuise. Voilà, dans la casserole dont j'ai mis de l'eau qui est en train de bouillir, je vais donc ajouter du plantain à l'intérieur. Là maintenant, je vais mettre tous les autres. Je mets dans l'oignon. Vous pouvez mettre l'oignon plus ou moins. Donc là, vraiment, ça dépend de vous. Je mets le thym, le romarin, les feuilles de ginger, les feuilles de laurier et nos 2 morceaux de piment. Et je vais donc mettre du sel. Voilà. Je vais donc fermer et laisser cuire jusqu'à ce que nos plantains deviennent bien mous avant d'ajouter tous les autres. Voici donc les autres condiments qu'on aura besoin pour la deuxième étape. Donc, pour la deuxième étape, donc, on aura besoin de la viande de l'ail de chèvre fumée. Là, c'est environ 600 à 700 grammes de viande. Vous pouvez diminuer comme vous pouvez augmenter. Voilà, ça, de la chèvre fumée. On aura besoin là d'une tomate, d'un oignon, de 5 gousses d'ail, d'un morceau de gingembre ainsi, environ 5 cm. On aura besoin du persil. Là, c'est environ 6 à 7 branches de persil. Et on aura besoin d'un poireau. Donc, tous ces condiments, si je vais les écraser, et ils nous serviront pour la deuxième étape. Là, maintenant, j'ajoute l'huile rouge quand ça a déjà un peu bouilli là. Bon, la quantité, je vous dirai à peu près. Bon, j'ai pris à peu près 300 ml d'huile. Parce que le gondré, c'est aussi l'huile. Il faut mettre un peu plus d'huile que d'habitude. Voici donc aussi les épices que je vais donc utiliser. Là, c'est pour la troisième étape. Là. Donc, ces épices-là, je vais les faire torréfier avant de les écraser. Donc là, c'est du poivre, du clou de girofle, je vais dire.
je vais utiliser du clou de girofle, je vais utiliser du pépé ou bien du pépé, des graines de fenouil. Là, c'est du poivre blanc. Là, d'ailleurs, on a l'anis vert, on a la coriandre. La rondelle, c'est déjà écrasé. Là, on a le jansan et le poivre noir. Ce sont ces différentes épices que je vais donc utiliser pour notre troisième étape. Et j'allais aussi oublier, on a là les quatre côtés. Là, ce sont les quatre côtés que je vais aussi utiliser. Donc, je vais donc mesurer tout ça et je vais mettre dans ma petite poêle-ci que je vais faire torréfier à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais donc mettre toutes ces épices-là dans cette poêle-ci que je vais faire torréfier. Donc, là, c'est les quatre côtés. J'ai donc pris quatre petits morceaux ici. Je vais prendre une cuillère à café de grain de fenouil. Une cuillère à café. Je vais prendre une demi-cuillère à café de poivre noir. Ainsi. Le poivre blanc, je vais prendre une cuillère à café. Pour le clou de girofle, je vais prendre 6 grains, 6 clous de girofle. Pour le pépé, je vais prendre 4 graines. Je vais faire sortir ça de sa coquille avant de faire torréfier. L'anis vert, je vais prendre une cuillère à café d'anis vert. Et la coriandre aussi, je vais prendre une cuillère à café de coriandre. Et le jansan, j'ai pris 10 graines de jansan. Voilà. Et la rondelle, c'est déjà moulu. Donc, je vais juste prendre une cuillère à café de rondelle et je vais mettre directement dans ma mie quand je vais mettre ceci. C'est donc tout pour nos épices. Je vais donc faire torréfier tout ça. Ceci, je vais casser pour enlever son fruit à l'extérieur. Je vais donc faire torréfier tout ça et écraser. Ça, ce sont les épices de la troisième étape. Voilà donc le pépé que j'ai retiré de sa coquille. 4 graines. Je fais torréfier le tout et on écrase. Voilà, notre plantain est presque cuit même. Hein. Mais ça doit encore rester bien au feu parce que le condret doit être bien cuit jusqu'à ce que le plantain se casse même tout seul. Donc là maintenant, je vais ajouter. Là maintenant, je vais ajouter la viande, notre chèvre fumée. La viande de chèvre fumée. Et je vais mettre aussi les condiments que j'ai écrasés. Je vais donc laisser mijoter. Là, ce sont les épices de notre deuxième étape. Là, donc, je fais torréfier les épices avant de les écraser. Et je mettrai ça vraiment à la fin de la cuisson pour que le goût reste bien dans notre condré.
Après quelques minutes dans que j'ai laissé que ça cuise là, le plantain est bien cuit. Je peux même déjà éteindre le feu, mais je vais mettre dans maintenant les épices torréfiées et écrasées à l'intérieur. Là donc ce sont les épices et ce qui est blanc là c'est juste les rondelles moulues que j'avais et j'ai mis une cuillère à café de rondelles moulues là et je vais donc mettre dans notre engrais là dedans et bien mélanger et laisser encore mijoter même 10 minutes et là notre engrais sera prêt. Et je mets les épices en fin de cuisson comme ça pour que le goût reste bien présent dans notre congrès. Vous voyez que le plantain même se casse déjà lui seul. C'est ainsi que le congrès doit être. Voilà dans notre congrès, la viande de chèvre est terminée. À la chèvre fumée, je précise très bien. Voilà. Et vraiment, ça sent tellement bon. Admirez juste, ça donne envie de manger. Je vous invite donc à refaire la recette et vraiment, on se prend en commentaire comme d'habitude. Et j'ai juste laissé mijoter moins de 10 minutes, environ 8 minutes comme ça là. Et vraiment, c'est suffisant. Voilà dans notre congrès qui est terminé. Comme vous voyez là, ce n'est pas seulement beau, mais c'est tellement bon. Oh, on va se régaler ce soir. Sur ce, je vous invite donc à refaire la recette. Et si vous avez besoin d'une recette, que je réalise une certaine recette, faites-moi savoir en commentaire. Sur ce, je vous laisse donc et bon appétit à vous. Et refaites et faites-le-moi savoir. Sur ce, à la prochaine donc pour une nouvelle recette et bon appétit à vous. Bye!